Même si tu es malade, accepte lui. Même dans à l'hôpital, accepte lui. En l'acceptant sans doute, tu en bénéficieras de beaucoup de choses. Pour que vous compreniez, il ne faut pas douter de ce qu'il est. Nous devons continuer dans le même forme. Cette forme maladie. Je vous assure, il y a des maladies qu'on peut porter en soi, et dans la foi, on le fait. Et dans la foi, on marche avec. Seulement que celui qui a le même mal comme toi ne parvient pas à supporter. J'ai vu vos prières à votre frère, celui. Quand il est à l'hôpital, on m'a dit que tout ce qu'il a, tout son corps ne s'est passé ou bien quoi. Mais s'il est encore, s'il retire encore aujourd'hui, c'est tout simplement que le ciel attend faire de lui ce qu'il veut. Parce que tous qui sont en terre au même moment sont partis. Ils sont partis. Et je continue à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je n'ai pas à décider à ta place. L'autre jour, les enfants ont passé de prier et dit que ma part de parole est finie, je n'ai plus rien à dire. Le dernier mot, c'est à toi et je me situe. Oui, dans notre vie, sachant une seule chose, j'ai remarqué que les chrétiens ont peur, trop peur de mourir. Les chrétiens ont trop peur. Mais ils ne savent pas de raison. Peut-être parce que la doctrine de tous les jours est de vous amener vers la crainte de la mort. Mais je vous emmène dans la crainte de perdition, de perdre ton âme. Si ton âme est perdue, c'est que tu es mort. Mais si Dieu tient ton âme, c'est que tu vas gagner. Parce que la vie, l'homme a deux formes de vie, celle de ce monde et celle du ciel. Moi, si maintenant je sors maintenant, je lui dirai simplement, Seigneur, que ta volonté se réalise. Et permets-moi d'aller tout seul. Nous devons prier tous les jours que dans notre foi de chaque jour, apprendre comme le Seigneur peut nous. Peut venir en aide à chaque moment et décider de nous ce qu'il veut. Cette prière de chaque jour vous ajouterait qui vous donne l'intelligence et la sagesse. Parce que en observant beaucoup, j'observe que le peuple de Dieu périsse par manque de savoir. À nos jours où beaucoup de maladies est en train de se naître, sachons, apprenons à connaître notre corps, pardon. Connaître notre corps parce que il y a un événement qui se passe dans nos villages. Si les chefs du village travaillaient bien, ils devraient interdire cela. Les femmes sapent la nourriture au champ avec les produits chimiques. Quand tu passes sur ça, ça brûle les herbes. Ça entre dans le sol, ça entre dans la culture. Et ça fait que le manque des maladies. Les cancers, alors, n'en parlons pas. C'est trop. Nos parents vivaient ici et laissent tout le temps nous
vu que la nouvelle qui t'a donné la maladie. Le plantain qu'on formalise pour vous que vous mangez là. Ce qu'on va stéger au plantain pour que ça vous dise, c'est le formol. Je dis pas tu vois la peau est jaune, mais le dedans est Thank you.
alors qui se vend dans les boutiques partout qu'on appelle les chiens. Donc là, je peux appeler le raqueur de mémoire. C'est le raqueur de mémoire. Un enfant fume ça, même s'il arrête. Lire une phrase jusqu'à retenir zéro. Il te dira toujours quand je lis ma tête, nous fait mal. C'est plein, c'est dans les boutiques. Et ça entre au Cameroun tous les jours que Dieu a sans contrôle. Je vais vous faire rire. Moi, je me suis rendu à dans une boutique. Une grande boutique. J'ai trouvé les petites boutiques rondes. N'est-ce pas? Sinon, elle part, je pars pour prendre une boutique que c'est le bonbon. Pour qu'il parte. Je demande à la dame, elle dit le truc de 5 000, elle me montre le 5 000. Elle arrive jusqu'à ce que je dis que c'est quoi? Elle dit c'est le chiche. Non, mais je suis pas dit. La drogue, la cocaïne, la forte, les alcools. Il y a tout le parfum. Elle m'explique qu'il y a le parfum de quoi. Si tu veux l'odeur d'orange, l'odeur de chaque, le parfum de chaque lune que tu veux. Les couleurs là, ça signifie ça. Et tu te prends comme si tu ne savais pas ce qu'il y arrive. Devant moi, j'ai vu quelqu'un venir prendre ça. Thank you.